Comment recharger une cartouche Epson T041? Repérez les trous de remplissage et les trous d'évacuation qui seront à colmater. Faites un reset de la cartouche. Suivez la même méthodologie montrée dans la vidéo. Scotchez les trous d'aération avant de faire les trous de remplissage. Remplissez chaque trou avec 6 ml d'encre. Arrêtez le processus si de l'encre déborde. Suivez la même méthodologie montrée dans la vidéo. Rebouchez ensuite les trous avec du scotch ou de la colle chaude. Laissez sécher, enlevez le scotch des trous d'aération, et voilà. Cliquez sur le produit de votre choix pour vous le procurer. Abonnez-vous à notre chaîne. Rendez-nous visite sur encrose.fr ou à notre boutique à Paris.